est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Donc, on pourrait. Oui, bonjour, je vais passer en français. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de speech d'habitude. Je vais passer à court. Je vais vous raconter deux histoires qui m'arrivent. Puis ça va vous expliquer comment c'est le profil racial. Quand je suis à la banque, je suis en soute. Je vais payer mon dernier paiement sur mon auto ou quelque chose comme ça. Là. J'ai fini de payer. Il y a une madame qui vient me voir. Et elle pense que je suis gardien de sécurité. Ça, là, ça joue dans tous les hommes noirs à Montréal. Ça peut être, vous pensez que ça passe juste aux États-Unis, mais ça arrive ici aussi. Deuxième histoire, je suis devant chez moi, je suis propriétaire, je coupe le gazon, il fait chaud, j'ai pas de chandail sur moi, il y a les voisins qui me voient, ils pensent que je suis quelqu'un qui travaille dans une compagnie de paysagistes. Non, 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 non. Je suis propriétaire ici. Là. Vous devez comprendre que chaque jour, nous autres, on est toujours face à la réalité que vous nous voyez d'une autre sorte d'humain. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais je pense que ça laisse sa chance au reste du monde entier, même Montréal. Puis je suis content que vous êtes ici ce soir parce que vous avez pris la chance ou le petit effort de plus pour prendre le temps de comprendre qu'est-ce que nous vivons au jour le jour. Fait, juste pour vous remercier pour tout le monde d'être venu ce soir. Merci.